CST, une histoire qui a beaucoup secoué ses admirateurs et ses fans. Depuis plusieurs années, Alain Delon aurait été la victime d'une femme, parfois présentée comme sa compagne, qui aurait tenté de l'éloigner de ses enfants et de ses proches. Une histoire révélée ce mercredi par les trois comédiens, justement, qui veillent sur leur célèbre papa. Et qui ont donné des nouvelles de l'acteur à un journaliste célèbre. La famille Delon va-t-elle enfin pouvoir retrouver son calme? Secouée par la vicie du patriarche Alain Delon durant l'été 2019, le clan a ensuite dû batailler ferme contre sa dame de compagnie Iromi Rollin qui s'occupait de lui depuis, et qui aurait tenté de l'éloigner d'eux. À tel point que ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, ont fini par porter plainte et que leur avocat a parlé d'un abus de faiblesse. Une plainte contre cette femme d'origine japonaise officialisée ce mercredi, et à laquelle l'acteur s'est associé par écrit. Mais qui a beaucoup inquiété ses fans, à tel point que le journaliste Pascal Pro, plutôt proche du clan, a tenu à leur donner des nouvelles de la petite famille enfin réunie. Les enfants de Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien sont adouchis auprès de leur père, a-t-il rapporté sur Twitter pour rassurer les internautes. Une information qu'il tient de l'aîné de la famille, premier alerté par le comportement de la jeune femme. Je viens d'échanger avec Anthony, heureux que son père Alain retrouve sa liberté mais aussi son chien Lubo. Ce soir la famille Delon dormira dans cette maison qui les a abrités si souvent. Une belle fin à cette histoire particulièrement inquiétante. Et on imagine que l'acteur sera également heureux de retrouver ses petits-enfants, dont Lou et Liv, les filles d'Anthony Delon, dont il semble proche, ou encore le petit Lino, le fils de sa fille Anouchka, encore très jeune. Mais l'histoire est loin d'être finie. Si les choses ont commencé à être difficiles en novembre 2021, avec cette femme qu'Alain Delon connaît depuis près de 30 ans, si est-il le 27 juin dernier que tout a basculé. Alors que la situation s'était peu à peu envenimée, l'acteur a fini par demander à Iromi Rollin de quitter son domicile. Et l'avocat de la famille n'est pas tendre avec celle qu'Alain Delon a plusieurs fois présentée comme sa compagne. Décrivant une femme qui s'est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l'égard de ses enfants, il l'a accusé de probable abus de faiblesse mais également de maltraitance animale sur le chien de l'acteur. Heureusement que ses enfants veillaient au grain. Désormais, tout devrait aller mieux. Iromi Rollin reste innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.